Voici donc la lettre sacrée de Sainte Formation du Sacré-Cœur de Jésus, la cinquième instruction du 5 mars 2002. Jour anniversaire de l'apparition centrale du divin décret d'amour. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Dieu Trinité. Béni soit Dieu dans ses œuvres de gloire, béni soit Dieu dans sa parole de vérité, béni soit Dieu dans ses décrets pour l'honneur de sa divine royauté, béni soit Dieu pour son décret royal de miséricorde du 5 mars 1990, pour l'Immaculée Conception de Notre-Dame, pour la Sainte Messe divine du Sacré-Cœur de Jésus. Béni soit Dieu pour son divin décret d'amour, lumière sainte, lampe de feu du cœur de Dieu pour toute l'humanité en perdition. Béni soit Dieu pour son ordre royal de la croix glorieuse catholique, de son cœur miséricordieux. Béni soit Dieu pour la multitude des croyants et des amis sincères du Sacré-Cœur de Jésus. Béni soit Dieu pour sa parole qui s'accomplit maintenant et qui annonce en Apocalypse 21, V 1, 4, à travers la naissance de son ordre divin, de lumière fondée avec les 12 apôtres ou encore les 12 étoiles de gloire qui couronnent Notre-Dame du précieux sang, et notre reine immaculée de l'univers, tout ce qui suit dans l'Écriture sainte. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. La mer signifie ici l'océan des ténèbres de Satan. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, c'est-à-dire ma sainte église catholique triomphante, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes ». Il demeurera avec eux, ils seront son peuple, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de souffrance, car le monde ancien a disparu. Voici que moi, Jésus, Dieu d'amour et de vérité, Dieu de louange et d'adoration, Dieu Trinité de miséricorde, Dieu Tout-Puissant et de grande bonté. Je vous redis ma parole de vérité qui s'accomplit par les mérites de mes 5 plaies sacrées, de ma croix glorieuse. Je vous dévoile ma 5e et ultime lettre de divine formation, pour la gloire de mon Sacré-Cœur. Tandis que je continue à déverser sur vous mes grâces débordantes d'amour et de miséricorde infinie. Je vous aime à l'infini, tous les 5 de chaque mois, en l'honneur de mes plaies d'amour, comme 5 soleils de gloire, les 5 rayons de ma bonté incalculable, de mes grâces d'unité, de pardon et de guérison pour vos corps et vos âmes blessées. Oui, tous les 5 de chaque mois, je me souciais de vous instruire pour votre sainteté et de vous éclairer par ma vérité et sagesse éternelle. Je ne vous quitte plus, car mon amour pour vous est infini.
Il me coûte toujours pour chacun d'entre vous le douloureux sacrifice de ma croix glorieuse qui se revit pour vous en toute pureté et fidélité lors de ma sainte messe traditionnelle d'amour en présence de toute la sainte famille du paradis de Dieu. Par grande miséricorde, je vous accorde la grâce d'assister pleinement, malgré le décalage du temps et du lieu de mon supplice à Jérusalem, au mystère douloureux et glorieux de votre rédemption, c'est-à-dire à ma sainte scène en présence des apôtres, à ma croix et ma résurrection qui se revit de manière voilée, mais pourtant réelle, de façon miraculeuse, en votre présence, pour devenir vous aussi la divine hostie du Fils de Dieu, offerte au Père éternel par les mains de Notre-Dame, unie à Saint Joseph et à tous les saints. Si vous réalisiez le miracle immense et si précieux de ma très sainte Eucharistie traditionnelle de mon Sacré-Cœur, vous en pleureriez de joie et votre vie rayonnerait de charité et d'intense sainteté. Mais le péché vous aveugle. C'est à cause de vos faiblesses humaines, de vos incrédulités face à mon amour éternel, et de vos péchés que vous n'arrivez pas à comprendre la valeur inestimable du plus grand miracle de ma divinité qui s'accomplit pourtant sous vos yeux lors de ma sainte messe d'amour si pure. Ce trésor caché de ma sainte hostie consacrée, à l'image du saint enfant Jésus caché dans la grotte de Bethléem. Bethléem, qui voulait bien signifier dans sa traduction « maison du pain », est le trésor de mon Sacré-Cœur, qui bat pour vous avec force et inlassable compassion infinie. Mon divin décret d'amour est là pour vous rappeler tout cela. Je dois vous redire encore pourquoi je choisis la sainte messe traditionnelle de mon cœur divin plutôt que la messe nouvelle encouragée partout. Il ne faut pas que mon peuple soit conduit dans la confusion en ayant le choix soit de suivre une messe pure selon les formules sacrées qui chassent le diable de mon pape Saint Pie V, soit de suivre la messe nouvelle, moderniste, laxiste et révolutionnaire qui déplaît tant à mon Père éternel Créateur. J'ai permis l'épreuve de cette douloureuse désacralisation de ma sainte messe de toujours, afin de faire passer mon Église dans le creuset de la purification, laissant libre cours à ses fantaisies et propres vues humaines pour la conduire à nouveau avec plus de désir et de fidélité, parée d'une robe nuptiale splendide pour l'honneur de son époux que moi, Jésus, Christ roi, je suis. Que ma sainte Église, épouse de mon Sacré-Cœur, retrouve sa ferveur d'antan, sa docilité à écouter et à vivre ma divine volonté pour votre plus grand bonheur et votre plus belle sainteté. Qu'elle se pare d'ornements les plus beaux, qu'elle se revête de pureté lumineuse, qu'elle entonne les cantiques les plus ravissants et les plus majestueux, car voici, je viens. C'est ainsi qu'en ma cinquième lettre sacrée de symphonie d'amour pour vous, je vous invite pour ma gloire qui vient à faire un livret de chants liturgiques et de louanges divines pour tous les participants de mon festival royal annuel de Paray le Monial. Vous intitulerez ce livret « Cantique pour le Sacré-Cœur » avec l'image de l'apparition du 5 mars 1990 montrant
un ange musicien à la place de la voyante. Ce livret sera composé de chants liturgiques, de ma sainte messe, traditionnelle d'amour, avec les plus beaux cantiques populaires de mon Église catholique de toute pureté. Il sera composé aussi des chants cités en mon divin décret d'amour, des chants liturgiques polyphoniques corses, des chants en latin de Thésée, des chants de la communauté nouvelle de l'Emmanuel et du Verbe de vie, en remettant le vouvoiement envers Dieu à l'honneur par véritable respect envers ma divinité. C'est ainsi que j'unis concrètement tradition et renouveau spirituel de l'Église catholique de mon Sacré-Cœur. Ce livret à réaliser est pour l'honneur de mon Saint-Esprit d'amour et de vie qui dirige l'orchestre céleste des plus beaux artistes du monde, qui sont les anges et archanges de Dieu. Que ma sainte messe, revêtue de sa pureté en ses formules sacrées préparées pour toutes les générations par mon saint pape Pie V, devienne la gloire du Saint-Esprit par ses hymnes de louange et d'adoration à l'exemple de la communauté monastique de Jérusalem et de la communauté nouvelle des Béatitudes, de jeunesse lumière et des oasis de joie de mon Église souffrante par le souffle de vie de mon esprit de sainteté. Je remercie mon dévoué serviteur André Gouze qui a donné un nouveau souffle de vie liturgique en mon Église meurtrie et usée par les blessures des plus lourds péchés sous l'inspiration de mon esprit de lumière. C'est pourquoi je vous invite à prier en vous inspirant donc de ces chants liturgiques contemplatifs d'André Gouze qui vous relie davantage au chant des anges. Mais par-dessus tout, fixez-vous sur la base centrale de mon nouvel édifice ecclésial, qui est le pilier principal de ma sainte messe traditionnelle, priée par mon nouveau Pierre, à l'exemple de mon serviteur aimé, le saint abbé de ma gloire, mon ami le père Eugène Marie. Célébrez le divin sacrement dominical de mon amour éternel à l'exemple de mon père Eugène Marie en français et en latin, avec dignité, humilité, docilité et droiture. Vivez la très sainte messe comme mon saint curé d'Ars, qui priait ainsi « Ô mon bon Père qui êtes dans les cieux, je vous offre en ce moment votre Fils, tel qu'on l'a descendu de la croix, qu'on l'a déposé entre les bras de la Sainte Vierge, et qu'elle vous l'a offert en sacrifice pour nous. Ô mon bon Père divin, le cœur de la Sainte Vierge est la source dans laquelle Jésus a puisé le sang qui nous a rachetés. La meilleure manière d'entendre la messe sainte et de s'unir au prêtre dans tout ce qu'il dit, de le suivre dans toutes ses actions, autant qu'on le peut. Maintenant, mes amis, réalisez que je suis là tout entier pour vous, en particulier âme, corps et divinité, comme l'époux précieux de votre âme que j'aime à l'infini. Lors de ma très sainte communion la plus pure et la plus fidèle, il y a des âmes froides qui me reçoivent sans amour réciproque. Alors, lorsque le prêtre leur donne ma divine hostie, où je demeure réellement, elles repartent de mon église comme elles sont venues, avec le cœur dur et froid,
mes grâces prévues pour elle, coulant comme l'eau sur un rocher imperméable, qui ne se laisse pas pénétrer par mon amour puissant, miséricordieux. Ces âmes-là m'offensent grandement et doivent passer par le creuset de la souffrance et de la purification, plus que les autres, en recevant la miséricorde d'être reçues au purgatoire pour la plupart. Je vous invite à prier davantage pour les âmes du purgatoire qui, attendant vos prières et vos sacrifices pour leur libération parfaite, que notre Père éternel accorde volontiers lors de la sainte communion d'amour véritable. Il n'y a pas de plus belle prière qui touche directement le cœur de Dieu que la très sainte messe traditionnelle promulguée en 1570 par le pape Saint-Pie V, le pur défenseur de mon sacré cœur pour toutes les générations, avec son missel de lumière qui met à l'honneur le mémorial de ma croix glorieuse pour vous. Moi, Jésus-Christ roi, je déclare parfaite la très sainte messe de Saint-Pie V en ces prières traditionnelles à respecter et à revivre avec fidélité. Je déclare hérétique et fourbe celui qui dit le contraire et refuse de prier ma sainte messe avec respect et dignité, sans satisfaire comme il convient la volonté de la très sainte Trinité. Je déclare impur celui qui prie ma sainte messe sans révérence, sans amour et sans fidélité vis-à-vis de ma prière eucharistique sacrificielle d'offrande pure. Et soyez humblement tournés vers le saint tabernacle central de mon Église sainte, et je prononce cela aujourd'hui pour tous mes prêtres aimés. La prière de mon divin sacrement traditionnel d'amour pur vaut plus que tous les plus grands pèlerinages, les plus belles assemblées de prières et les plus grandes œuvres de charité pour les pauvres et les malades. Ô mes amis, mes très chers amis, vous du moins, réalisez combien je vous aime, jusque dans la plus grande exigence de sainteté et de pureté. Réalisez qu'en la divine hostie consacrée, c'est Dieu lui-même que vous recevez comme l'enfant Jésus remis entre vos bras. Alors accueillez-moi avec infinie bonté, infini respect, infinie tendresse, infinie pureté, au milieu des cantiques de louanges et d'adoration les plus beaux et les plus doux. Que la louange joyeuse entre dans mon sanctuaire d'amour par tous les instruments de musique, à l'exception de la guitare électrique et des chants modernes et contemporains inadaptés. Que mon épouse catholique soit bien parée pour préparer mon retour glorieux qui approche. Que mes prêtres retrouvent leurs plus beaux ornements traditionnels de mon Église pure. Que les enfants de cœur en aube blanche rappellent à tous la présence des anges de lumière lors de mon divin sacrement d'amour. Que mon épouse se fasse belle pour mon retour. Vous, mes prêtres, bien-aimés de mon ordre divin et du monde entier, je vous appelle à m'aimer par-dessus tout, à tel point que tout le peuple de Dieu puisse dire de vous « Oh mon Dieu, comme ce prêtre ressemble à Jésus !» Oh oui, il ressemble tout à Jésus. Alors, pour vous, plus question de suivre la mode du monde pécheur, plus question ni de gourmandise, ni de convoitise, ni d'impureté,
car mon amour pour vous réclame la plus grande sainteté. Ayez pour les âmes qui vous entourent bienveillance, gaieté, fermeté dans l'observance de mes divins commandements, sans trop de familiarité avec les dames, mais toujours de la retenue, de la sainte réserve, afin de demeurer pur dans vos relations, ne choisissant comme véritable ami que Dieu seul et comme dame de compagnie que la très sainte Vierge Marie. Ce qui ne veut pas dire de refuser l'amitié de vos proches. Bien au contraire, car l'amitié est un don de Dieu magnifique à encourager, pourvu que cette relation humaine pure vous unisse davantage à moi. Vous, mes frères et sœurs de mon ordre divin et du monde entier, chers amis de mon Sacré-Cœur, mon peuple aimé et mes chers fidèles, je vous appelle aussi à m'aimer par-dessus tout, à tel point que mes prêtres puissent dire de vous « Oh mon Dieu, cette âme est si belle, si priante, si remplie de charité et de compassion. On dirait que cette femme ressemble à la Vierge Sainte. Ou bien, on dirait que cet homme ressemble à Saint Joseph. » Alors pour vous, plus question de manquer de respect vis-à-vis de mon prêtre consacré et livré pour votre salut, tel mon nouveau Christ offert en communion d'amour divin pour la gloire de Dieu et la rédemption du monde entier. Ayez pour mes prêtres un profond esprit de reconnaissance pour le don de leur vie entière au service de votre salut. Ne les traitez pas comme des copains ou des hommes parmi d'autres, sans apprécier le don précieux de leur célibat consacré en faveur de votre sainteté. Alors pour vous, plus question de suivre la mode impure du monde pécheur. Plus question donc pour les dames de porter des vêtements trop provocants, comme des jupes fendues, des pantalons ou des shorts de plage, et non seulement à l'église, mais aussi tous les jours de l'année, afin de ne pas montrer de mauvais exemples aux enfants, qui sont mes âmes innocentes préférées. Plus question pour les hommes aussi de s'habiller en shorts dans les lieux saints, de se moquer des prêtres et de mon église, mais soyez saints. À propos de la diffusion sainte de mon divin décret d'amour, je dois vous annoncer, en tant que Dieu trois fois saint et maître des nations, que ma révélation de gloire si précieuse de mon Sacré-Cœur s'adresse en priorité à mes apôtres choisis, à mes appelés et aux compagnons de mon ordre de la croix glorieuse catholique. Elle doit être offerte en priorité aux plus petits, aux âmes assoiffées de ma miséricorde, aux amis de mon Sacré-Cœur, prêts à lire mon livre d'or et de lumière avec amour, confiance et bienveillance. Soyez vigilants dans la manière dont vous diffusez mon livre de gloire. Ne distribuez pas mon divin décret d'amour comme des bonbons à tous les prêtres et les fidèles sans discernement, car mon livre est un trésor précieux de ma miséricorde, un livre royal et pur de mon Sacré-Cœur que je remets personnellement à mes amis par votre intermédiaire. Mes amis étant bien ceux qui vous écoutent et vous soutiennent, de même que ceux qui viennent à vous, car c'est moi qui vous les envoie, ne l'oubliez pas. Choisissez d'offrir mon livre d'amour comme si vous remettiez l'enfant Jésus si bon et si petit autour de vous.
Alors ne le faites pas avec précipitation, empressement ou avec naïveté, ce qui finit par me blesser. Car sachez bien, mes amis, que dans la bergerie de ma sainte église, il y a même parmi les prêtres et les évêques des loups déguisés en agneaux, des prêtres qui saccagent ma vigne et soutiennent la franc-maçonnerie et les idées révolutionnaires destructrices du prince des ténèbres. Or, ces âmes-là, qui fourmillent en ma sainte église défigurée, sont des persécuteurs dangereux de mon Sacré-Cœur, qui n'hésiteront pas à détruire par des calomnies et des injures la réputation sainte de mon œuvre de gloire naissante. Alors ne le diffusez jamais sans prudence élémentaire et sans sagesse. Mais répandez mon divin décret d'amour en priant Notre-Dame du Sacré-Cœur, afin qu'elle guide à tout moment vos moindres pas pour l'évangélisation qui me plaît. Ne remettez pas mon divin trésor aux faux amis de mon Sacré-Cœur qui se moquent de ma sainte volonté en vivant pour obtenir des compliments de la part des hommes surtout. Mais remettez-le aux âmes pauvres et humbles qui sauront accueillir avec douce joie et délicatesse l'enfant Jésus roi d'amour que je suis. L'histoire du salut se revit sous vos yeux. C'est-à-dire qu'à l'annonce de ma venue au monde à Bethléem, prédite et connue des prophètes et docteurs de la loi d'Israël, ce sont des bergers qui sont venus m'adorer, et en second lieu, les rois mages. Mais aucun rabbin, malgré le signe de mon étoile miraculeuse. Ainsi en est-il aujourd'hui à l'annonce réelle de mon retour glorieux sur la terre et qui est prédit depuis des siècles. Je viens tout doucement et sans bruit, ni roulement de tambour, mais ma gloire arrive sûrement. Préparez-vous à voir des merveilles. Pour en revenir à mon divin décret d'amour qui annonce mon retour, en gloire, au milieu de vous, il faut donc que je vous indique ceux qui doivent d'abord recevoir mon œuvre royale de bénédiction. En plus de vos amis et de votre entourage que je mets sur votre route, il y a les fondateurs de mes communautés nouvelles, de mon Église catholique, les moines et les moniales qui vous écrivent, mais en aucun cas directement aux évêques, sans mon commandement, car je veux passer par mes prêtres chargés de confier cela à leur évêque, s'ils le jugent opportun. Car tout s'accomplit ainsi dans l'obéissance envers la hiérarchie de l'Église à respecter. Allons, Père Saint-Louis Gabriel, prenez courage et saisissez votre bâton de pèlerin pour Rome. La requête de mon Sacré-Cœur pour la demande d'audience avec le pape Jean-Paul II est urgente et il faut vous y préparer au plus vite. Demandez à votre supérieur la permission d'aller à Rome pour recevoir sa bénédiction apostolique en faveur de la naissance d'une œuvre du Sacré-Cœur de Jésus qui mériterait les encouragements du pape avant que celui-ci ne soit appelé à entrer au royaume des cieux. Vous voyez l'urgence légitime de mon Sacré-Cœur. Recevez la prière et le soutien des lecteurs de mon divin message du 5 de ce mois pour votre mission à Rome. Mon saint pape vous attend. Dès qu'il vous verra revêtu de l'habit de mon ordre de la croix glorieuse, il comprendra, car le temps presse. Prenez à la hâte vos bagages contenant votre saint habit de ma gloire et allez à Rome selon mes recommandations. Hâtez-vous de m'obéir.
Personne n'a le droit de vous interdire d'aller auprès du pape à Rome. Répondez à mon appel avec cette devise à respecter qui annonce « Dieu, premier servi ». Je marche au-devant de vous. Ne craignez pas. Je suis votre Dieu. Elle m'a appris à vivre tout au gré de sa grâce. Au milieu des déserts, des malheurs, des épreuves. Dans mes contradictions et toutes mes illusions. Dans mes chutes profondes et mes désolations. À toutes mes misères, elle envoie une corde. Elle veut l'humilité, réclamant ma patience. Ma prière en chantant et surtout, elle m'accorde de n'être heureux qu'en elle dans son profond silence. J'ai sa paix dans mon cœur et elle vient de son cœur. Par cette miséricorde dont elle remplit la vie, j'ai sa paix dans mon cœur et elle vient de son cœur. Et pour son fils unique, je viens lui dire merci. J'ai pris son bonheur comme une récompense. Chaque fois qu'il m'inonde, c'est à elle que je pense. Je n'ai que son visage en seule consolation. Et toujours son sourire comme révélation. J'ai sa paix dans mon cœur et elle vient de son cœur. Par cette miséricorde dont elle remplit ma vie, j'ai sa paix dans mon cœur et elle vient de son cœur. Et pour son fils unique, je viens lui dire merci. J'ai sa paix dans mon cœur et elle vient de son cœur. Par cette miséricorde dont elle remplit ma vie, j'ai sa paix dans mon cœur et elle vient de son cœur. Et pour ce oui unique, je dis bravo Marie. Là derrière les montagnes, au tout début du temps, quand Abraham partait pour garder son troupeau, survivait au soleil une fleur du désert qui s'appelait Sarah et toute bronzée de peau. Beauté multicolore,
elle fut cueillie très vite et enfanta au monde Isaac, le bien-nommé. Il n'y a pas au monde une plus belle histoire que cette douce naissance d'un fils inespéré. Sur les berges d'un fleuve, dans une vallée d'Égypte, en Troïa et Roseau, elle s'appelait Moïse. Cette jolie fleur de jonc qui devait libérer tout ce peuple opprimé jusqu'en terre promise. Et sur une fine branche d'un rameau de Jessé avait soudain percé une fleur d'amandier. Elle s'appelait Anna et descendait des rois sur cette terre d'Israël qui se sentait blessée. Et sa blancheur si pure était immaculée, attirant les regards des yeux les plus curieux. Son parfum délicat portait en majesté la souffrance de ce peuple qui reniait son Dieu. Il y a comme ça des fleurs qui s'ouvriront toujours à la lumière du ciel jusqu'à la fin des jours. En une douce nuit, dans un village perdu qui traversait le temps s'écoulant doucement, une rose a fleuri. Elle ne fanera jamais. Autour d'elle, tout est pur, tout est étincelant. Dans le silence discret des premiers, des derniers et aussi des nouveaux, elle traverse les temps. Elle s'appelle Marie. Elle offre son parfum à tous ceux qui l'adorent et dont elle est maman. Sur ses pétales d'or, la rosée du matin a lentement déposé des larmes si brillantes qu'elles brillent de tout leur feu sous le soleil naissant qui expose ses rayons en ondes scintillantes. Un matin de décembre, par une froide nuit, dans une étable cachée, non loin de Bethléem, jaillissait d'un buisson une fleur d'aubépine qui devait resplendir sur tous les gens qui aiment. Elle s'appelait Jésus, et au cœur de chaque homme, elle devait en mourant regreffer une épine. C'est le secret brûlant du cœur de notre Père. Les gens n'ont pas compris
l'intervention divine. Il y a comme ça des fleurs qui s'ouvriront toujours à la lumière du ciel jusqu'à la fin des jours. J'ai pris toutes ces fleurs, je les ai rassemblées, venant tous les offrir en ce mois de frima. J'en ai fait un bouquet, c'est le bouquet du temps, aux fragrances infinies, aux parfums délicats. J'y ai mis trois lys blancs, pensant à Saint-Joseph, et pour ma sœur Agnès, ces quelques violettes. Pour finir mon bouquet, quelques feuilles de trèfle, des petites marguerites, en pensant à Arlette. Ce bouquet dans une main, ma guitare dans l'autre, je suis là à genoux, aux portes du paradis, troisième Adam du monde. J'ai déjà pris racine et j'attends que l'on m'ouvre, je ne changerai pas d'avis. En dernier troubadour, des derniers temps qui passent, mon cœur est tout à vous, ma belle et noble dame. Je n'oublierai jamais cette lettre pour le ciel, glissée dans un CD qui a sauvé mon âme. J'attends pour vous l'offrir, de croiser ce regard qui m'observe toujours et que je n'ai jamais vu. Cet instant si béni que tout le ciel attend et que la terre implore, mais au nom de Jésus. Il y a comme ça des fleurs qui s'ouvriront toujours à la lumière du ciel jusqu'à la fin des jours. C'est vrai que je vous aime, je ne suis pas un cadeau, et vous saurez très bien reconstruire mon âme. Je ne suis qu'un petit agneau qui tire son chariot, mais mon cœur est pour vous, Dieu a comblé mon âme. Par ce bouquet porté en simple chevalier à la reine qu'il aime, je suis bien votre apôtre, j'aurai l'éternité pour remercier mon Père de cette destinée qui adhère à la vôtre. Pour servir votre Fils, j'ai obéi à Dieu, il m'a d'abord fait prêtre, prêtre du Saint-Esprit, et j'ai mis mes chansons dans ces 12 liturgies, apportant avec moi des tonnes de poésie. Je voulais vous faire rire, c'était mon objectif.
venir vous consoler après toutes ces années. Ça n'était pas facile, mais je suis obstiné. De David à Esther, d'Abraham à Josué, de Marie à Agnès, et d'Arlette à Joseph, et d'Adam à Jésus, de Jésus à Christian, il ne manquait ici que mon amour pour vous. En cette dernière seconde qui inverse le temps, il y a comme ça des fleurs qui s'ouvriront toujours à la lumière du ciel jusqu'à la fin des jours.